Motivation quotidienne numéro 17. Définir le problème. La méthode linéaire a en substance les étapes suivantes. 1. Définir le problème. 2. Identifier et pondérer les critères. 3. Développer la structure décisionnelle. 4. Identifier les alternatives. 5. Confronter les alternatives aux critères. 6. Décider. 7. Valider le raisonnement. Vous l'avez deviné. Cette étape résume la méthode linéaire. Aujourd'hui, nous verrons la première étape, définir le problème. Il est essentiel de bien définir le problème, car bien définir le problème est déjà la résolution de moitié du problème. Quel est le problème? Poser le vrai problème demande patience, lucidité, questionnement profond, ouverture totale et recul. Il faut résister à résoudre le problème tel qu'il se présente, parce que bien souvent, les causes sont plus profondes. Tel un iceberg, on voit une petite partie, alors que la plus grande partie est submergée en dessous. Il faut mettre le problème en relation avec d'autres problématiques. Un exemple, une personne me confiait dans un coaching son problème. Selon lui, personne ne l'aimait dans son lieu de travail. Ils sont jaloux parce que j'ai été promu comme chef. Après 45 minutes de coaching, nous avons découvert que le véritable problème était la peur à ne pas assumer cette nouvelle nomination et aussi qu'on ne se sentait pas capable de diriger toute une équipe comme nouveau responsable. Le problème est-il mal posé? Et si on n'avait pas bien creusé, on serait hors sujet. Africaine et Africain nouveau, Ivoirienne et Ivoirien bois de manioc. Il nous faut définir bien le problème. Une technique simple est à vous présenter, celle de se poser 5 fois pourquoi à notre problème. Et après les 3 premiers pourquoi, on sera déjà au vrai problème. Et essayer ensuite une solution de façon mentale nous éclairera sur la définition du véritable problème. Un proverbe africain nous dit à ce sujet, le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Une seule cause à chaque problème et chaque problème a une solution. À demain pour identifier et pondérer les critères. C'est la deuxième étape. C'était votre coach Paul Blanchard-Raquet, influenceur au naturel, bois de manioc. À demain.